Bienvenue à l'enregistrement du culte pour le troisième dimanche après la Trinité. Dans le monde séculier, c'est la fête des Pères. Et c'est approprié alors que notre introit du jour commence avec un enseignement que Dieu est notre Père. Nous commençons. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel a fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous, nos transgressions. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant et miséricordieux, par le don de qui seul il se fait que ton peuple fidèle te serve en vérité et d'une manière louable, donne-nous, nous t'en supplions, de te servir si fidèlement en cette vie, que nous ne manquions point d'obtenir enfin l'effet de tes promesses célestes, par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce troisième dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 17, les versets 22 à 24. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai moi-même une pousse de la cime du cèdre majestueux et je la déplacerai. J'arracherai du sommet de ses jeunes branches une pousse délicate et je la planterai sur une montagne particulièrement haute.
je la planterai sur une haute montagne d'Israël. Elle portera des branches et produira des fruits. Elle deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux y feront leur nid. Tous ceux qui a des ailes s'abritera dans ses branches. Tous les arbres des champs reconnaîtront alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai abaissé l'arbre qui se levait et élevé l'arbre qui était abaissé, qui ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également la lecture de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 6 à 10. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que, tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans ce corps. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 26 à 34. Il dit encore: voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Il dit encore: à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, tu jettes la semence de ta parole dans le cœur et l'âme des gens, et la parole germe et pousse. Ouvre nos oreilles pour que nous l'entendions et pour qu'elle porte du fruit dans nos vies. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données. De la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la parabole de la semence et celle de la graine de moutarde, Jésus explique à quoi ressemble le royaume de Dieu. Est-ce que Jésus nous révèle des aspects de la vie au ciel? Non. L'Église est le royaume de Dieu, là où il exerce son règne de grâce. Et dans ce genre de parabole, une parabole du royaume, il explique comment il accomplit son œuvre en son sein. Considérons la première parabole. Un homme jette de la semence en terre. Dans les paraboles, à moins de le préciser autrement, Dieu est celui qui agit. Donc, l'homme dans cette parabole, c'est Jésus. La semence, c'est sa parole qu'il annonce ou qu'il fait proclamer. Le texte dit qu'il donne ou qu'il reste éveillé, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour. La semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Autrement dit, la parole n'est pas morte, mais elle est vivante. Sans l'intervention de l'homme, la parole réalise l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nécessaire que l'homme comprenne tout ce qui se passe quand un grain est semé pour qu'il germe et pousse. Il suffit de savoir que c'est ce qui va se produire. Par exemple, si je pense à l'un de mes paroissiens, il est probable qu'il ait démarré des plantes de tomates dans sa serre chaude cette année. Ce n'est pas nécessaire pour lui d'être un professeur en biologie des plantes et d'être capable d'expliquer le processus de germination pour que ces plantes poussent. Il n'est pas non plus obligé de les surveiller 24 heures sur 24, afin qu'elles grandissent. Mais les plantes font ce pourquoi Dieu les a créées. Il en va de même avec la parole. Il n'est pas nécessaire que nous comprenions tout à l'égard de l'Église pour que la parole la vivifie. La terre fertile de l'Église produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, c'est le moment de la moisson. Dans l'Église, c'est un processus continu de semer de la parole et de récolter la foi et les fruits de justice, jusqu'à ce que Jésus fasse entrer la moisson dans son grenier et ramène ses fidèles auprès de lui. Dans cette parabole, Jésus dit que l'Église, c'est-à-dire le règne de Dieu, grandit. Ce n'est pas par les efforts des hommes, mais c'est sa parole qui réalise la croissance. Parfois, les chrétiens, les pasteurs autant que les paroissiens, veulent qu'il y ait une formule magique pour faire croître l'Église. Mais ce n'est pas compliqué. Dieu réalise son œuvre à travers sa parole. Si nous voulons que l'Église grandisse, il faut persévérer dans la parole et l'annoncer aux autres. Point barre. Comme Paul écrit à Timothée, « Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend, et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet,
un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Certains pasteurs se contentent de dire « J'ai prêché la parole ». Mais ce n'est qu'en poursuivant jusqu'au verset 5 qu'on lit Paul dire aussi « Accomplis la tâche d'un évangéliste ». Il faut qu'il y ait des gens qui entendent ce que l'on prêche pour accomplir la tâche d'un évangéliste pour le Saint-Ministère. Cela inclut les fidèles qui, eux aussi, ont besoin d'entendre l'Évangile, mais aussi ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Nous ne savons pas comment Dieu fait le changement de cœur, mais il suffit de dire que la parole l'accomplit. Voilà ce que nous voyons dans la parabole. Jésus sème sa parole et elle porte du fruit. Parfois, la croissance dans le règne de Dieu est numérique et il y aura plus de monde. D'autres fois, la croissance ne pourra pas être évaluée en comptant le nombre de paroissiens sur les registres ou le nombre de paroissiens qui assistent au culte ou ce que les gens ont offert comme offrande. Il se peut qu'il y ait un petit nombre de personnes, mais qui finissent par avoir une foi plus solide, tout en mettant leur confiance en Jésus. Parfois, des chrétiens bien intentionnés veulent faire avancer le règne de Dieu et prétendent avoir découvert un modèle que toutes les paroisses devraient suivre pour évangéliser les non-chrétiens et faire croître l'Église. Mais ce qu'ils proposent, ce n'est pas fondé sur la prédication de la parole de Dieu, de la loi et de l'Évangile. Ça n'apportera pas de fruit. Une méga-église tout près de Chicago était fondée dans le but d'évangéliser. Après des décennies, les chefs de la paroisse ont sondé ses paroissiens et ont découvert que la majorité des gens commençaient à assister au culte, restaient entre 2 et 3 ans et puis sont partis. Et ceux qui persévéraient et qui étaient des piliers de la paroisse, ils aimaient bien l'activité missionnaire, mais ils se plaignaient qu'ils mourraient spirituellement parce que les pasteurs étaient tellement pris par le but de faire grandir la paroisse qu'ils ne s'occupaient pas d'eux en approfondissant ce que Dieu dit dans sa parole. Si le nombre de personnes au culte augmente, mais qui ne finissent pas par mettre leur confiance en Jésus, l'Église n'a rien gagné. C'est la parole qui est prêchée, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qui donne la vie et qui la soutient, qui pardonne aux pécheurs. Oui, vous êtes pardonnés. Et c'est ce pardon qui motive les gens à encourager d'autres à s'approcher de Christ. Comme déjà dit, l'Église ne croit pas seulement en fonction du nombre de personnes qui assistent au culte, mais aussi par la vie des saints. Un autre problème qui survient est quand les pasteurs ne voient pas le changement de vie chez leurs paroissiens qu'ils souhaitent voir. Le danger, c'est de devenir comme les pharisiens qui mettaient leur confiance en leurs œuvres plutôt qu'en la parole de Dieu. C'est vrai, la parole œuvre en nous.
afin que nous menions une vie pieuse, car il y a deux volontés de Dieu. La première, c'est que nous soyons sauvés. Et la deuxième, c'est que nous mettions en pratique ce qu'il nous enseigne. Mais certains pasteurs et certaines églises ont conclu que la solution au problème des gens qui continuent à commettre des péchés est de prêcher seulement la loi de Dieu, de prêcher une loi plus sévère. Dieu veut absolument que les siens se repentent quotidiennement et vivent chrétiennement. Et pour cela, il faut entendre la loi de Dieu. Mais c'est la parole de l'Évangile qui réalise le changement, afin que les gens n'obéissent pas seulement parce que les commandements les y obligent, mais parce qu'ils ont eu un changement de cœur. Cette semaine, lors du cours de caté, nous avons étudié la deuxième demande du Notre Père, que ton règne vienne. En nous apprenant à prier pour cela, il est évident que Jésus veut que nous prions pour que le règne de Dieu agrandisse. Cette prière est une prière d'évangélisation. En demandant que l'Église fasse exactement ce que Jésus a promis dans ses paraboles. Ce n'est pas à nous d'être indifférents, ni de désespérer quand nous ne voyons pas les résultats que nous souhaitons. Notre charge, c'est de nous engager tout de même dans la mission de l'Église et la vie chrétienne. Luther, dans son explication de cette demande, pose cette question. Que signifient ces paroles? Elle répond en disant, « Le règne de Dieu vient de lui-même, sans le secours de nos prières. Mais nous prions qu'il vienne aussi à nous. » C'est une prière pour nous-mêmes et ceux qui y sont proches, pour les membres de notre famille, pour nos voisins, pour nos collègues, pour notre paroisse. Luther continue en répondant à la question. Quand cela a-t-il lieu? Cela a lieu quand le Père Céleste nous donne son Saint-Esprit, pour que, par sa grâce, nous croyions en sa sainte parole et menions une vie pieuse, ici dans le temps, et là-bas dans l'éternité. Pour vous, chers saints, le travail a commencé il y a longtemps, quand vous avez reçu le bain d'eau et de la parole du Saint-Baptême. C'est la parole qui pousse en vous, pour que vous grandissiez dans votre foi et mûrissiez. Et il vous faut toujours entendre la parole de Dieu. L'évangélisation, la proclamation de la bonne nouvelle n'est pas pour les non-chrétiens seulement, mais chacun de nous, vous et moi aussi. Chacun de nous a besoin d'entendre la parole de Dieu. D'abord, la parole de la loi et, deuxièmement, celle de l'Évangile. En entendant ces deux paroles, nous mettions notre confiance en elle. J'ai dit aux jeunes lors du cours de caté qui sont déjà chrétiens, mais leur cours de caté est une activité missionnaire pour qu'ils grandissent dans leur foi. Il en va de même pour l'étude biblique de jeudi soir ou quand j'étais à la Petite Pierre pour la rencontre amicale vendredi matin, ou pendant les quelques visites que j'ai pu rendre là-bas, ou ceux qui ont écouté l'enregistrement que je viens de faire, ou au groupe des jeunes, ou au culte dimanche matin, ou même quand vous lisez la Bible chez vous, ou lisez une méditation de notre culte quotidien.
Jésus est l'homme qui jette de la semence en terre. Il prêche et il fait annoncer sa parole. Et, autonome, avec l'œuvre du Saint-Esprit, la parole germe et pousse. Finalement, il faut admettre que le royaume de Dieu est devenu très grand. Notre petite paroisse n'est qu'un coin de son royaume. Et donc, nous ne nous rendons pas compte de la taille du règne de Dieu. Dans la deuxième parabole, Jésus dit que le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Le point est simple. Ce qui est petit et semble être insignifiant devient plus grand que tout le reste. Une petite parole de Dieu est plus puissante que toutes les paroles des hommes. Sa parole deviendra plus grande que ce qu'on pourrait imaginer, et sa parole portera plus de fruits qu'attendus. Et oui, l'Église, si l'Église est le règne de grâce, c'est-à-dire le règne de Dieu sur terre, il faut aussi que l'aboutissement de son règne ici sur terre, c'est que Dieu prend auprès de lui les siens et les fait entrer dans son règne de gloire. Voilà la moisson du Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, la pierre angulaire sur laquelle est fondée l'Église, reçois notre gratitude de ce que tu fais de nous des membres de ton corps. Bénis ta parole pour qu'elle soit entendue et crue, qu'elle porte du fruit, afin que les gens deviennent mûrs dans la foi et mettent en pratique ce que tu enseignes. Donne courage à ton Église, afin qu'elle parle de toi et de ton salut aux autres, afin que d'autres personnes viennent à toi aussi. Garde tous les croyants, afin qu'ils entrent dans ton règne de gloire que tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père céleste, tu nous montres ce que c'est que d'être un père, et tout Père céleste est appelé à être le reflet de toi. Nous te rendons grâce pour le don de pères fidèles qui aiment leurs enfants. Conduis-les pour qu'ils éduquent leurs petits d'après la voie qu'ils doivent suivre, sans les exaspérer ni les décourager, afin qu'ils reçoivent des avertissements qui viennent du Seigneur. Pour les orphelins et les enfants qui n'ont plus de père, nous te demandons de leur envoyer des hommes qui joueront pour eux le rôle de père en servant d'exemple pour eux. Seigneur, dans tes miséricordes, écoute notre prière. Dieu divin, notre Créateur, nous te louons et te glorifions pour ton œuvre merveilleuse, en particulier pour ton engagement à soutenir ta création. Fais que nous soyons des intendants fidèles qui se chargent de la terre pour ne pas exploiter et gaspiller ses richesses, mais les recevions avec actions de grâce, et nous en servions pour notre bien-être et celui de nos prochains. En particulier, nous te prions pour les camps de mission et jeunesse qui permettront aux jeunes de vivre dans la nature. Donne-leur du beau temps et protège ceux qui participeront au camp. De même, nous prions pour ceux qui vont prendre des vacances cet été, qu'ils soient renouvelés pendant leur temps de repos pour reprendre leur travail avec plus de force,
Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, tu maintiens l'ordre à travers les royaumes de la terre. Conduis le président Macron et donne de la sagesse à l'électorat qui a été convoqué à voter prochainement de nouveaux représentants à l'Assemblée nationale. Que les décisions prises permettent au gouvernement élu d'agir pour le bien-être commun, promouvoir la justice et fixer un plan qui servira les intérêts des citoyens de la République à court et à long terme. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Et finalement, Seigneur, tu connais nos situations personnelles et nos épreuves. Guéris les malades et fortifie ceux qui vivent chaque jour avec une maladie de longue durée. Accompagne ceux qui sont seuls et délaissés. Donne sagesse à nos jeunes. Bénis ceux qui se préparent pour le mariage. Soutiens ceux qui sont dans le deuil. Protège les vulnérables et les personnes âgées. Ô Père Céleste, entre tes mains, nous nous confions nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta grâce et ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.